Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Je remets mes gants parce que je me suis équipé pour mettre la caméra. Et je vais vous parler de cette route de merde. C'est un petit coup de gueule parce que franchement, rouler là-dessus c'est une horreur les gars. Et voilà, je vais baisser la caméra pour que vous voyez. Est-ce que vous vous rendez compte des trous qu'il y a entre les pavés? Franchement, on est au bord de la terre, au bord de la route. Il y a des voitures, des bus qui passent et tout. C'est un bordel monstre. Et regardez-moi ça. On a deux pavés qui se battent en duel. Il faut office de trottoir. Vous êtes obligé de rouler là-dessus, là, sur cette merde. Donc t'as des gros trous à gauche à droite, t'as des bagnoles garées n'importe comment. Et tout le long à droite, t'as des bagnoles qui sont en sens inverse de toi. C'est l'horreur, les gars, franchement. Franchement, il faut arrêter avec ces trucs pourris, là. Regardez-moi ça. Voilà, c'est juste pour vous montrer, franchement, qu'il y a vraiment des endroits qui sont vraiment mal entretenus. Et si vous pouvez pas éviter de passer par ces endroits, bah, c'est le mieux, mais malheureusement, des fois, on n'a pas trop le choix, en fait. Là, j'ai pas trop le choix. C'est soit je passe par là, soit je vais pas en cours. Donc, je suis obligé de passer par cette route. Mais elle est vraiment pourrie. Voilà, là, il y a un connard qui sait pas se garer. Donc, t'es obligé de descendre, d'éteindre, de passer. Et voilà. Et voilà, ouais, j'en profite. Regarde-moi cette bagnole là. Comme il a pété son arrière. À tous les coups, c'est le connard à côté dans son scénic là. Qui voulait se garer. Qui a raté son truc. Qui a tapé dans la caisse. J'ai vu ça en passant en voiture. Qui a tapé dans la caisse. Et qui s'est garé quand même à côté en dépassant. Il s'est dit, bon, finalement, on va quand même se mettre là, quoi. Donc voilà, bref, les gens qui savent pas se garer, c'est chiant aussi. Et voilà, et là, sinon, on a droit à des petits bouts de béton comme ça. Je baisse encore un peu, vous voyez bien. Et voilà, on roule sur des putains de boues, de béton, de pavés, de cailloux, de terre, de machin. C'est une horreur, les gars. Et voilà, là, quelqu'un très intelligent qui se met en plein milieu, fait chier. Bon, c'était une jolie, c'était une fille quoi. C'était pas genre l'ogre. Putain, voilà. Obligé de passer par là et forcément ça passe pas. Voilà. Voilà la route qu'on a. Putain de bosse avec un putain de trou. C'est. Ah, je vous jure les gars. Et les filles aussi, hein. Si vous avez des endroits comme ça, mais c'est la mort, c'est l'horreur quoi. Je comprends que certains soient en mode. Putain, lui il a touché le terre-plein central. Je comprends que certains soient en mode vas-y, je prends la bagnole tout le temps, quoi. Parce que franchement, mais moi qui prends la bagnole, je la garde loin pour pas payer, pour pas faire chier le monde et pas être mis au bord de la route, pas me faire bousiller la caisse et tout. Et je prends ma Giro en plus que je me trimballe toute la journée, je porte toute la journée. Pourquoi? Pour rouler sur des routes de merde comme ça, franchement. Alors franchement, c'est une horreur, les gars. Si vous avez la chance d'être dans un endroit où vous avez des belles routes, je sais qu'il y a des endroits, il y a des villes où il y a plein de pistes cyclables et tout. Franchement, faites-moi des photos, j'ai envie de voir ça parce que, je sais pas, nous, on a vraiment des routes pourries, quoi. Je pense que si on faisait un concours des routes les plus pourries qu'on fait un Giro, je pense que il y a des endroits où je serais pas loin d'être le vainqueur, hein, parce que je passe vraiment par des endroits pourris, quoi. Franchement, Versailles, c'est vraiment pourri, c'est dans un état, mais c'est un truc de malade, quoi. Ils entretiennent rien, il y a des pavés partout, c'est pas entretenu, il y a des trous entre les pavés. Il y a un gros trou, je sais pas si vous avez vu, là, obligé d'esquiver comme je sais pas quoi, c'est une horreur. Donc voilà, c'était juste un petit coup de gueule et vous montrer que voilà, faut rester prudent et que voilà, les gants c'est efficace, c'est utile. C'est des gants de moto chinois à 10 € la paire, mais au moins vous êtes tranquille. Allez, je vous laisse ici, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye bye.